Bon, c'est même genre que il y a des questions qu'on me posait, m'a posé peut-être mes questions après pour nous là-devant. Et que, et pour qui ça, que Caribéen te compte jouer pour un public bien particulier, Déterminé. bien déterminé, bien particulier. Ce sont questions que me répondent 3 millions de fois, mais on dirait que réponse que Abtan, C'est pas réponse à que ou bail. c'est la réponse à moi. Et pourtant, réponse à moi, même qui vrai. Ok, quelle a été la réponse? C'est pas moi qui choisis le public, c'est le public qui choisit l'orchestre. Oh, oui. Oui, bon. C'est le public qui vient à moi, qui dit j'aime ce que tu fais, moi-même je vais faire. Donc à partir du moment ça, c'est lui-même qui vient consommateur. Donc m'aller dans le sens que lui-même, ce produit que m'a vendu, l'a acheté, c'est lui-même. Regardez tout à l'heure, et là, où tu dis, je dis que j'ai une pile lumière là, et pour dire, et on va prêter mon lunette qui coûtait 3 000 dollars. Baptiste. Baptiste. Moi, je dis non, j'ai besoin de 3 000 dollars. Donc, ça veut dire que vous choisissez l'une des 3 000 dollars, moi-même, pas me va coûter tout ça. Donc, chaque monde choisit sa rien, mais hein, ça veut dire que, oui, il va dans le restaurant, c'est vrai, et on a décidé que, je dis à ces cabines, on va manger, demain, on va manger au moins. Tout à fait. On va se ouvrir, tout le monde joue ça, il y a besoin. Tout à fait. Et, Réginald, est-ce que vous pensez que, à un moment donné, witness disparition musicale haïtienne, particulièrement le combat direct? Non, je ne pense pas ça. Je ne pense pas ça du tout. Parce que, où est la vérité? Moi-même, qu'on parle direct. Et confondre encore une fois qu'on Non, parle mais c'est direct. vrai. Oui, mais parce que c'est lui ouvert. Il y a confondu tout avec comme cela. Il faut qu'on parle direct là, jouer comme cela, de manière. Voilà. Moi-même, pense que si était un mouvement organisé, très organisé, derrière qu'on va dire que on cherche l'État pour aller plus loin qu'en pile au rythme dans la zone là, qui déjà, on y a, qu'on dit, aller au-delà des frontières. Tout à fait. Parce, tout à fait. alors, on voulait dire que, qu'on va dire que, bon, on va pas essayer de faire un débat et non seulement essayer de discriminer l'autre rythme voisin. Yo. Alors, qu'on va dire que là, il y a beaucoup plus de sensualité. Que merengue, j'ai l'impression que mon monde, tout à fait d'accord. Dans ce monde, qu'on va dire que là, il y a un swing là-dedans. Tout à fait d'accord. Il y a un swing là-dedans, et swing, ça va être de gong, là, puis on va aller comprendre ça. Oui. Mais qu'est-ce qui. C'est qu'on y a joint à part Michael Jackson, Quincy Jones, bon, l'autre exemple encore. Quincy Jones, c'est un plus grand arrangeur, Michael Jackson, l'autre a fait plaque et Thriller. Les Quincy Jones lui-même, il s'est mis dans la peau de Michael Jackson, il voit exactement qui est-ce, qui genre de musique que Michael Jackson a joué. Et puis il prend, il mettait son niveau d'arrangement, il pas mettait rien de jazz là-dedans, non. Tout à fait. Il mettait chanteur en relief, il bien arrangé tout bagaille pas fait au hasard dans la plaque. L'obtenir des plaques là, tout bagaille, tout bagaille gagne place. Donc si nous-mêmes, qu'on va dire que là, nous avons un monde comme ça, Quincy Jones, alors nous comme ça, on va dire exactement Quincy. Qu'on y ait un qui comprenne le concept là. Il faut le comprendre le concept là. Et puis qu'on y ait un qui décide pour lui, qu'on y ait à partir de l'autre grande compagnie qui décidait pour faire moins long tour, la musique qu'on va dire là, ouais, beaucoup trop longue. Tout à fait, tout à fait. Et puis, mettez comme si la chorégraphie, tout bas, ça, bah, on a essayé sortir de uniquement de la Caraïbe. De carcan, oui. En musique cap Jean Bâtonnel et seulement. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. C'est vrai, bien loin. Regardez ça, négocier avec Kassav et le Zouk. Bon, il mettait vraiment et son plan international. Pourquoi ça fait un bajam de Kassav comme exemple? C'est parce que ce qu'on voit de Kassav, le musicien,
Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, et de Rete Mémoire, Jacob Devarieux, Bazao, c'est monde ça que nous ouais. Mais monde qui derrière nèg ça, sont pas quelques gros compagnies. C'est ça m'a dit là. Ça me c'est ça parler. Justement au même raison. Moi je regarde ça au faire avec lui. Oui. Mon man Air France mon côté back up yes, jusqu'à présent Air France back up. Mais ça, mais c'est exactement ça. Et non seulement Air France, c'est même pour notre football aussi, c'est la même chose, même pour en fait le sport en général en Haïti, pas gagner aucun monde qui prend en main et effectivement. Bon, on va pas faire un débat sur ça encore. Et chacun a le droit. L'autre jour, m'a parlé avec un ami qui quand même qui gagne bon, qui a une bonne situation économique, moi dire il n'y a pas qu'être jeune, que m'a regardé là, hein, de jeunes talents qui ont joué, qui est vraiment extraordinaire, pour ne pas prendre une à ta charge. Il dit oui, ça peut se faire. Bon, je suis bien content de réponse spontanée là. Mais, en même temps, on connaît que ce n'est pas toujours facile de réaliser certains rêves. Tout à fait. Mais c'est tout, mais comparé à sauver et pour aller encore plus loin, je ne pas penser qu'il va tomber du tout. Il ne va pas tomber. Non. Bon, évidemment. Et s'il n'y a pas de relève, mais aussi, il va aller. Parce que, on va dire que tu as joué avant, comme si Skacha a joué avant, même pas le Nemo, on parle de l'équipe près de toujours. Oui, Skacha, Tabou, Scorpio. Et forme de que Tabou pas même comparer avec Skacha, parce que Tabou est plus funky. Oui, plus funky. Et on passe à ou pas pour rejoindre vraiment encore, effectivement, parce que, bon, il y a un peu réalisé, il faut mal retendre encore. Et est-ce que tout orchestre a eu un gong? Non, mais justement, on va parler de qui orchestre? Non, on va parler actuel. Non, actuel, bien sûr qu'il y a un gong. Parce que tout gagne. On va connaître, mais c'est basse qu'on va dire là. C'est ça, moi, c'est la même swing là. Yes. Et puis, nous avons trouvé tout que le rythme est, qu'on va dire, qu'il est trop ralenti. Et nous avons trouvé que mon série de bagages. Alors, il vient transformer un petit peu. Je ne sais pas si je me trompe, il vient transformer un petit genre comme une sorte de compas love, un petit genre, des fois même un peu. On prend. Tout à fait, juste après toi. Hein? M'a dit ça tout le temps. Tout le temps là. Et puis, je pense que les accords choisis aussi, il y a des accords morts, ou même qui font d'accord, ça, élaboration, ça, et musical. On connaît qu'il y a des accords qui sont extrêmement, carrément des accords morts. Et gros, c'est des accords, c'est des accords extrêmement joyeux et qui, train the people pour, groovy. Oui, mais en même temps, à quoi pas obligé de compliquer pour faire musique là. En plus, ça dépend de quoi vous placez, il y a des fois. Parce que quand il y a venu pour impressionner, c'est comme son footballeur qui vient qui a fait dribble, et puis il n'y a pas de concrétisation. Tout à fait, non, je suis à fait peur. Il y a fait deux ou trois accords qui tombent exactement. C'est ça le principe de l'arrangement, qui tombait côté pour le tomber. Robert Martin m'a dit, par exemple, de te poser cette question. Pas de te poser de façon personnelle. De poser cette question à tous mes invités. Parce que c'est pour le bien, justement, de la musique haïtienne et aussi des musiciens. Pour qui ça, il n'y a pas jamais vraiment activé la question droit d'auteur en Haïti? Bon, pour qui ça? Est-ce que vous-même ou pas souffrir de vous qui a pas utilisé de façon abusive et puis ou pas gêné de lui? Eh bien, moi ça fait mal et je pense que chaque monde a une réaction personnelle à situation ça. Robert effectivement, on connaît que c'est une situation qui vraiment très qui m'a rien en pile sans ça. Et je crois que Raoul tout. Et Dadou tout. Dadou, certainement. Mais je vais le faire. Et est-ce que qu'on y est là, c'est une question de tempérament? Il y a une raison, oui, attention. Même une question de tempérament que chacun réagit à sa manière. Tout à fait. Par exemple, pour un excellent compositeur, pour moi, c'est. Pour moi, enfin, je crois que c'est. Bon, c'est parmi les. Sinon le meilleur, bien parmi les trois meilleurs, Boulo. Boulo sont excellents compositeurs. Bon, sa musique est là, donc il l'est. Okay. Tu vois?
Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Était vraiment, ouais. Boulot nous a laissé. Ouais. Et, malheureusement. Et, ou bien nous a quitté. Ouais. Et Bamjo, ça crivait, pas quoi. Boulot est mort, quoi, le 17 novembre l'année dernière. M'pas quoi, non, boulot, membre de la SACEM. Soit dis-moi. M'pas quoi. M'pas quoi. Parce que moi-même, personnellement, plusieurs fois, me dit boulot, ça obtenait pour. Ça obtenait. Me dit qu'on va gagner toute belle musique, ça, yo. Oh, wow. Cap gaspiller, on va toucher pour yo. Donc, c'est. Monsieur lui-même, encore, c'est la musique pour la musique. Il y a pile musicien comme ça. Ouais. Il y a pile musicien que nous comprenons tout. La musique là, c'est leur gagne-pain quotidien, comme on a dit. À ce moment-là, il y a plus d'importance pour eux. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes nous indifférents à ça du tout. Mm-hmm. C'est tout simplement que. Je ne sais pas ce qui arrivait. Bon, et petite mère, tout le temps, dit ça. Moi-même, membre de la SACEM, moi touché de la SACEM. Ok. Ouais. Et en plusieurs fois, j'ai eu des propositions, même côté m'a enregistré Miami, hein, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, m'a dit vraiment, j'ai le passé à Nègre, qu'à Bayoussène, là. Monsieur, son étranger, monsieur dit, moi, musique, ça a eu, comme m'attendait là, il faut enregistrer pour aller en Grammy. Wow. Parce que, non, il dit ça vraiment. On y a un côté mal bail fait, imprimé, dit son Nègre, dit même bagaille. Je même dit ça, mon cher, ça a traîné. Moi dit bon, ok. Mon papa est sa suite. Mm-hmm. Et puis quand je me suis réveillé, pour mon tour, on me réveille dans le sens que m'a dit bon, ok, d'accord, on fait les. Il dit oui, le délai est passé. Est passé, a expiré, donc il va cap. Même le âme dit ah, avait dit que le pas de fait moi. Et puis, on va passer en l'autre bagaille. Mais c'est même genre tout que, t'es une dame qui t'a contacté, moi. Qui lui-même s'est salié, ils sont sortes de démarcheuses vers des compagnies, quoi Concorde, quoi Blue Note. Il était même temps des projets. Au fait, ça m'a coûté d'argent, finalement. Il était même dit que ça a intéressé les prêts projets pour lui, capable pour nous, à proposer le bail. L'autre fabricant, enfin, l'autre maison de production. Là encore, ça a traîné, et puis. C'est une façon de dire que nous avons l'autre, on parle de priorité, l'autre préoccupation, dans cette certaine manière, que nous avons des fois, ça a un petit échappé. Ok. Alors, le conseil, parce que nous avons fini, le conseil pour nos jeunes artistes, nos jeunes musiciens, c'est le conseil qui a été donné par Mouchi. On avait reçu Mouchi la semaine dernière à ce show. J'ai dit. Que n'est-ce que retourner à l'école? À l'école. Et c'est quoi ton conseil, tes conseils mais, à nos jeunes musiciens? Ça mouche, dit. Hein. Pas rien d'autre réponse. Non, c'est exactement. Et l'autre dit retourner. Il faudrait bien que ça ait existé, mais ça remonte. C'est vrai. Ça remonte tellement à des années. C'est vrai. Moi, je n'ai pas connu l'époque où il y avait des. Par exemple, même dans les écoles, à Saint-Louis de Gonzague, tu as gagné. T'as gagné Fanfarly et les lycées et bon même quoi que Monsieur Taboukombo et Herman surtout et c'est dans le lycée Pétionville c'est là que Monsieur fait premier contact et avec la musique et puis c'est là que Monsieur c'est là le sorti quoi c'est ouais, là, tout à fait c'est la milieu mais on y est non bon moi je l'ai dit heureusement mon exemple Balbao et comme je vends des instruments de musique et il m'arrive, je viens presque comme on, qui est ça encore, une librairie qu'on y a, comme un libraire, c'est me qu'a dit que qu'on y a chaque année, il vient acheter flûte avec violon, ça veut dire c'est comme même genre l'oré librairie après septembre bio vend livre, yes. Même c'est le ça m'a vend flûte. Yes. Bon, tu avais dit que mon bail a passé et il y a l'école 4 pour soir, qui font un travail remarquable. Par exemple, là, déjà, ouais que vous même, vous prenez ça très au sérieux. Il faudrait que vous reçoive M. Etienne. Définitivement. Vous reçoive M. Etienne dans la chose à qui définitivement. Voilà, parce que c'est admirable. Ouais. Mais en même temps, tout moi-même, ça m'a envie fait.
Je parle avec un monde et un professeur de piano, que l'on va vendre un piano que est capable peut-être de subventionner même deux ou trois coups pour mon nom capable. Ça, mon chien, c'est exactement ça. Tout passe par l'école. Par l'école, ouais. Clinton Benoit, tu connais Clinton Benoit, qui gagne track dans le temps en Haïti, et Jazz Salsa. Très bien. Yes. Très bien. Et puis, monsieur. Mais écoutez, quand je après Calico, Zaragoza. Zaragoza. Yes. Yeah. Clinton Benoit qui qu'on y a son et monsieur gagne de super projets, monsieur réalise de super projets pendant que New York et avec un pile gros musicien Macarios et tout Pelé qui gagne New York, nous connaissons pas quel Pelé New York et Welmire Jean-Pierre tout le monsieur de New York, monsieur était participé d'un projet Clinton Benoit, Clinton Benoit qui sont policiers dans New York qu'on y a et monsieur fanatique genre musical ouais, en pile. Clinton, on attend que tu viennes en Haïti. Clinton doit rentrer en Haïti avec Macarios et puis Nega Binchita là. Et puis on va essayer de leur tirer justement les verres du nez. Faut faire ça. Dis-lui de venir à Saint-Hilary. Clinton, vini Saint-Hilary, bonnet. Moi, je suis venu à Hilary. Alors, tu vois, au Pat. Au Tiantija, Pat de venir à cause de timidité ou original. Ouais. C'était pas la mer à boire, c'était extraordinaire, cool. C'est beaucoup plus intéressant que d'aller chez le dentiste. disons que... Moi, je prends goût à l'émission parce que ça parle de plusieurs choses, donc ça ne reste pas comme si la était sous même barre là, et donc les anti-gens... Mon yo aptan de tout, yo opinion. Et Fabrice, et maestro Fabrice qui dit, je dis à Evan Jean Joël, oui, mon gros monsieur ça a beau côté là, qui tape, you know, mettez bagarre dans tête, non, c'est toujours un plaisir de recevoir ces messieurs. T'as bien, mais on le que Fabrice et moi-même et de enfin, oui. Dadou, non. Et en même temps, avec d'autres courants, nous ne pouvons pas rester dans le même courant. Par exemple, ou même Fabrice, Lolo. Oui, plusieurs. Et Jean Nakado. Et Fabrice Konbaï, ça revient. Fabrice lui-même, il est passé par plusieurs genres de musique. Fabrice, c'est la boucle. Oui. Alors, dernière question, puisqu'il est déjà midi, est-ce que Réginal, ça c'est Stanley Mathéus qui vous a dit, est-ce que Réginal peut nous dire quels ont été ses musiciens modèles? Belle question. Oui, très belle question. En fait, en Haïti, ou bien mélangé, bon, je vais dire que en Haïti, Boulot a été pour moi un musicien extraordinaire. Donc, ni pour Toto, Toto. Oui. Toto dit ça, Toto. Oui, Toto, oui. C'est-à-dire que Boulot, c'est l'inspiration, la spontanéité. Wow. Maintenant, comme pianiste, en Haïti, je vais dire que Serge Simpson, Eddie Prophète, et mon cher, comme accordéoniste, Richard Rioso, alors je vais parler de mon en Haïti. Yo. Et maintenant, pour musicien étranger, Nakadou, Bill Evans, Chick Corea, Keith Jarrett, Joe Beam, enfin, je cite souvent. Donc, même là, donc, je crois que c'est eux-mêmes qui vraiment, game gablier évidemment tellement game plus jeune que nous mais en gros Bill Evans Bill Evans on croit que c'est les mêmes qui peut-être monde qui était vraiment plus capté attention mais All right, so je pense que ça a été la dernière question lui déjà ok qui plus jeune de cette génération là le Ibo Combo par exemple ce genre. C'est qu'on dit que justement que après moi-même il n'y a pas trop qui est capable de prendre relève Jean Ibo Combo Caribbean Sextet. Donc si qu'on y a un groupe qui vraiment
tu as aimé faire l'expérience là. Mon cher, je suis très content. Et on va porter support auprès du musical pour vous de façon complète. Certainement, on a bien, mais non seulement que vous jouez musique, là, que vous jouez musique, là, et puis que vous avez exactement. Que vous avez carrément des héritiers, quoi. Puis ouais, ça ne déconne fait à l'époque. Est-ce qu'on peut penser un groupe tel que Magnum Ben est plus ou moins rapproché de Caribbean 6-7? Magnum Ben, pas du tout semblé Caribbean 6-7. Alors, en pile, on toujours comparé parce que. Nous, justement, nous avons presque même approche musicale dans la musique et élaborée et en même temps, tiens-toi bien, commercial. et élaborée. Et en général, l'homme n'a pas défini en musique. Il dit que la musique est un petit genre dépassé, ça l'habitude de tendre. Il automatiquement il y a une tendance à mettre Caribbean Sextet, même si c'est parfois tout. Mais nous pas même genre. Bon, moi avec Dadou, nous faisons plusieurs travaux ensemble déjà, mais ce n'est pas forcément que nous allons exactement dans le même style. Là. Ouais. Ok, monsieur a insisté, mais pas de problème, parce qu'il faut aller, je ne vais pas prendre question encore, mais en dernière question, je dis, Madeu, Réginal, et sous qui est-ce qu'il y a attention là, présentement, pendant que la parole est là? Je suis bien. Sous qui artiste qu'on gagne attention ou gagne attention sous lui? Pendant la parler là? Oui, dans le projet qu'on va faire. Dans le prochain projet, mieux. Oui, dépendant de qui, de couleur, composition, yo, parce que ce n'est pas comme si je faisais musique et puis je décidais à l'avance. Qui est-ce qu'on parle juste? Je fais musique en fait avant, je me dis, ah tiens, musique, ça ressemble à Evans. Et l'autre là même semblé avec Dadou, l'autre ensemble avec Fabrice. Ça dépend de qui ça cap sorti de musique là. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a des gens qui ne pas jamais comprendre pour qui ça que la musique nous prend boulot, notre musique nous prend original lui-même, ou nous prend Dadou, c'est tout simplement ça dépend de couleur. Musique, mais Dadou, au grand paquet de musiciens qui ont là, mais Dadou fait monter là, Dadou basket. Dadou qui sera notre invité demain à compter de 10h à ce show, le Top Groove. Chaque matin, c'est comme ça nous fait. Dadou, c'est Dadou qui a chuté là. Qui message vous avez? Même pas message, qui est-ce que vous voulez utiliser dans tout musicien qui a regardé là? Nous avons Armstrong Jeune, nous avons Macario Césaire, nous avons Clinton Benoît, nous avons Fabrice Cousier, nous avons Dadou Pasquet. Ou un paquet qui là, qui a regardé. Et c'est le nez qu'on utilise déjà, papa. Oui. Et Macario certainement, et Dadou plusieurs fois même, et Fabrice est petit garçon, donc nous n'avons pas entendu ça du tout. Nous devons dire ça de toute façon que, mais nous pas que j'aime vraiment, et en forme de que c'est Fabrice qui t'a fait tout sequencing pour mettre en plaque Vina Vem là, et l'ouvrier au bail de ce genre. Donc Fabrice est son musicien extrêmement sensible, serviable, et je me remercie d'ailleurs pour sa participation, même si ce n'est pas une participation de clavier sur le projet ça. Mais je connais que nous parlions de ça déjà et je pensais que par contre pour qui l'heure, mais ça va se faire de toute façon. Réginal, je te remercie. Réginal, bien pour le mettre nous en contact avec des gens, par exemple. Non, mais Réginal, nous avons des idées extraordinaires parce qu'on doit recevoir ce monsieur qui fait un travail titanesque en matière de formation des jeunes, musicalement parlant, c'est ça? Et partenaire Étienne là? Ah oui, Guy, ouais. Yes. Ouais. And on doit, je vais essayer d'entrer en contact avec ce monsieur pour nous inviter le vin là, pour parler un petit peu de projet ça. Et puis Réginal, je te remercie. Merci de ce côté passé. Tu vois, c'était, il y avait rien de sorcier à venir s'asseoir ici. Non, pas du tout. Ça a été un plaisir. Et j'espère que il y en aura d'autres. Et puis encore, je l'espère, parce que ça s'est bien passé. Je dis bonjour à tous les musiciens. Je salue spécialement Dadou, comme c'est lui-même qui a vu une chauffer chez ça demain. Yes. Donc, Dadou, parle un peu, on est timide tout. Je ne pas la tête plus grave que ça, c'est pas grave du tout. Okay, donc, à bientôt et
À la prochaine. All right.